C'est une marée humaine qui a inondé les rues de Kinshasa ce vendredi 7 août 2020 à l'occasion de la grande marche de soutien à Vital Kamerhe qui totalise 4 mois d'incarcération à la prison centrale de Makala, convoquée par son parti l'Union pour la Nation Congolaise. Cadres, membres et sympathisants de Vital Kamerhe, tous n'avaient qu'un seul mot: libérer Kamerhe. L'Union pour la Nation Congolaise dénonce avec la dernière énergie les manœuvres dilatoires visant à nuire à la personne de Vital Kamerhe au travers d'un procès dont le caractère politique n'est plus à démontrer. S'oppose farouchement à la machination de l'appareil judiciaire de notre pays au profit des intérêts politiciens. Fustige une justice à deux vitesses, car dans le même dossier, il est surprenant que certains prévenus ont bénéficié de la liberté provisoire. Demande à la Cour d'appel de Kinshasa de dire le droit et rien que le droit. Car comme l'avait dit le roi Salomon, seule la justice élève une nation. Alors que son procès, qui était prévu ce vendredi, venait de connaître encore un renvoi pour le 21 août prochain, les adeptes de Vital Kamerhe trouvent dans cet énième report sollicité par la partie civile le manœuvre allant dans le sens de la fabrication de preuves. Écoutez, dès lors que nous pensons que la clameur publique a précédé le jugement de M. Kamerhe, président national de l'UNC, directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, nous pensons que tout est biaisé. Ce sont des manœuvres dilatoires. Ils sont en train de se préparer à continuer à clouer M. Kamerhe. Nous sommes avisés et avérés. Il est clair. Mais nous avons compris. Nous allons pas céder. Il est ici important de rappeler que ce pays a eu la contribution majeure de son vivant, avec toute sa force, de M. Kamerhe, Lwakani Kingi Kingi, président national de l'UNC. S'il y a un président vivant, ancien, Joseph Kabila, et un nouveau président, Félix Tshisekedi, ils doivent se souvenir que c'est aussi seulement à cause de l'apport et grâce à l'apport du président national de l'UNC. Le cas de Vital Kamerhe est un cas national. Vital Kamerhe, de plus en plus naturellement, on est en train de fabriquer un héros. Soulignons qu'aucun incident n'a été signalé pendant et après cette marche pacifique.